Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui, les amis, on a encore une fois des tonnes de choses à voir. On va parler event, on va parler KVK, on va parler quiz anniversaire organisé par Lilith pour nous offrir des cadeaux, enfin nous faire croire qu'ils vont nous offrir des cadeaux hein, comme d'habitude. Mais on va commencer tout de suite par ce petit pack que je vous avais annoncé hier. Hein. J'espère que vous n'avez pas craqué. Récompense de recharge. 2500 gemmes pendant 5 jours. Chaque fois que vous achetez par jour 2500 gemmes, vous débloquez des récompenses. Alors le premier coffre, il est un peu tout naze. Hein. Ils nous essayent de nous vendre leur émoticône qui sert à rien. Mais les étoiles et les livres, bon, c'est pas ouf. Le deuxième coffre, il commence à être solide. 10 sculptures en or. Le troisième, on s'en fout. Le quatrième, encore 10. Et le dernier aussi 10. Donc on a 30 sculptures. Si je dis pas de bêtises, hein, acheter 2500 gemmes par jour pendant 5 jours, ça va vous coûter autour des 75 euros si vous achetez en euros. Donc 75 euros, 10, 30 sculptures, évidemment, ça reste un petit billet, mais c'est extrêmement rentable, sachant qu'en plus, c'est une récompense de recharge. Donc vous allez avoir autre chose, hein, ce que vous avez acheté, bien évidemment, avec le pack. Je vous invite, regardez, on a 5 jours pour le faire, il reste 6 jours, 18 heures, autrement dit 7 jours. Je vous conseille d'attendre demain ou après-demain, puisqu'on aura le pack événementiel qui n'est pas encore pop. Donc ce pack, c'est de la balle, comme d'habitude. Donc sauf si vous débloquez un écrivain de l'histoire, et encore une fois, écrivain de l'histoire, ça vous débloquera pas les 2500 gemmes d'un coup. Moi, je vous conseille d'attendre le pack événementiel, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Normalement, si tout se passe comme d'habitude, on l'aura demain, au plus tard après-demain. Donc quoi qu'il arrive, on a de quoi acheter ce pack tous les jours pendant 5 jours. Toujours, ça a toujours été fait comme ça. On n'a jamais eu le pack trop tard pour faire ça. Donc encore une fois, attendez le pack événementiel si vous voulez faire la récompense de recharge. Voilà pour la petite partie au niveau des packs et au niveau des events. Rien n'est apparu de nouveau. Faut dire, on va pas se plaindre, il y a déjà pas mal. Enfin, je dis une bêtise, Zénith de pouvoir. J'avais pas vu que Zénith de pouvoir était apparu. En revanche, on n'a pas eu course contre le temps. Alors, Zénith de pouvoir, c'est assez simple. Hein. Faut gagner des points, donc il n'y a pas de mystère. C'est un event standard. À la différence que sur ce type d'event-là, quand c'est des events événementiels où on gagne des sculptures au classement, normalement, le premier, c'est 20 sculptures, le deuxième, c'est 10. Là, le premier, c'est 20, le deuxième, c'est 15, le troisième, c'est 10. Ça veut dire qu'après, on a un large panel, normalement, jusqu'au 50e. Voilà, jusqu'au 50e, on a 3 sculptures. Donc, ça vaut le coup de s'investir pour augmenter sa puissance, ce qui vous permettra de bien vous classer. Donc, clairement, ce genre d'event, il est très propre. Et regardez, si vous augmentez d'un million en plus, vous allez avoir 5 sculptures. Donc, si vous pouvez vous le permettre, c'est un bon investissement à faire, surtout si vous êtes un free player, puisque beaucoup de grosses baleines se consacrent au MGE, où ils peuvent avoir beaucoup plus de sculptures, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à investir sur un event comme Zénith de Pouvoir. Et j'espère qu'on aura bientôt à nouveau course contre le temps. Et vous avez vu apparaître, hein, tout le monde a son livre. Alors moi, j'ai été étonné de voir qu'une journée au mois d'août de cette année, j'ai farmé 2000 barbares pendant 16 heures. Hein, donc, j'ai vraiment campé sur le jeu. Je m'en étais même pas rendu compte. En tout cas, grâce au livre, c'est le moyen d'obtenir ce genre d'informations. C'est toujours drôle, c'est pas très utile. Sauf on a 200 gemmes, je crois, à la fin. Donc ça, c'est utile parce que les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, on ne crache jamais dessus, hein, vous le savez bien. Donc, excepté ça, pas très utile ce livre. Au niveau du KVK, on va aller faire un tour sur les autres KVK, hein, les amis. Hein. Comme d'habitude, notre fil rouge général du 1 au 10. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à voir puisque rien n'a été fait. Certains royaumes ont été très costauds en défense et même s'ils n'arrivaient pas à pénétrer sur les terres du roi, ils défendaient bien leurs portes jusqu'à présent. On va voir ce qui va se passer avec par exemple les BBQM qu'on réussit, les BQQM plutôt, qu'on réussit à pénétrer malgré tout la forteresse de leurs adversaires, les 1341 avec l'aide des 1331 bien évidemment. Vous le savez, nous, comme je vous l'ai dit, on a aux terres du roi, on a craqué au niveau de la porte, on a bien tenu. Hein. Donc maintenant, nos adversaires nous envahissent du 10-77, enfin, nous envahissent en zone machat, bien évidemment. J'ai appris aussi qu'on m'a confirmé qu'il n'y a eu aucun accord de notre côté entre le 340 et les armies, c'est le 7KDX, hein, zéro accord. Donc on a bien continué à se battre de notre côté. Il va y avoir dans la journée, normalement, si je dis pas de bêtises,
En fin de journée, nous allons avoir l'ouverture des portes de niveau 9, ces points de contrôle-là. Donc, on va bien pouvoir se friter. Sauf, voilà, il ouvre... Ah non, je vous disais une bêtise, regardez. Ils disent qu'il ouvre vendredi. Ah bah non, c'est bon. 21h13 UTC, donc c'est bien. Je pensais que ça aurait été samedi matin vu l'heure. Non, non, donc c'est bien aujourd'hui que ça va ouvrir. Hein, et on va pouvoir se friter en direct, en 1 contre 1 avec nos amis du 1077. Alors, on était déjà en 1 contre 1 sur ces portes-là, mais ça avait craqué sur le côté 7KDX. Là, ça pourra pas être le cas. Il y a que ce côté-là où on peut se faire attaquer. Et on va bien voir à qui il reste le plus de ressources ou le plus de ouf prêt à sacrifier encore des troupes, sachant qu'après, après cette ouverture de porte-là, c'est fini, hein, y a plus rien. Le KVK ira jusqu'à son terme tranquillement, jusqu'à l'ouverture des dernières zones. Hein, comme la dernière zone, c'est Sakaka, la plus protégée. Ne pensez pas que votre zone de départ est la zone qui reste le protégée le plus longtemps. C'est vraiment la zone intermédiaire. Donc nous, Sakaka, qui est celle qui est le plus protégée jusqu'à presque la fin du KVK. On va aller voir les autres KVK, les amis, puisque malheureusement, plus trop de mouvement sur le mien. Pour le moment, hein, je vous ferai des rushs ce soir. Je compte bien être présent à l'ouverture des portes à 23h heure française. Je vous ferai quelques rushs que je vous montrerai soit lundi, soit durant le week-end. Peut-être un live Twitch ce week-end. On va voir s'il y en a un. Ça sera dimanche. Mais ça va peut-être être compliqué, hein, puisqu'en ce moment, mes dimanches sont occupés par la Ligue Osiris. D'ailleurs, avant d'aller voir les autres KVK, regardons. Je vais vous montrer notre prochain match de la Ligue Osiris. Hein. Donc, si vous regardez l'info match, voilà, on rencontre un serveur que je ne connaissais pas, le 1530, l'Alliance, les 666, donc à mon avis coréen ou chinois, bien évidemment, je ne connais pas du tout ce serveur. Ils sont 30 hein, pour le coup, mais un gros déficit de puissance hein, par rapport à nous, puisqu'ils ne sont qu'à 2,1 milliards quand nous on a 3,2 milliards. Donc ils vont pas tenir très longtemps en T5. Ça devrait, alors après, sauf surprise, hein, puisqu'on n'est pas à l'abri de rencontrer des grands stratèges, ça devrait être un match facile pour nous. Normalement, on a fait le match le plus difficile. Le plus difficile, c'était celui de dimanche dernier. Je vous en ferai un record. Je vous en ferai quelques rushs également, comme d'habitude de ce match-là, puisque ça nous permet aussi de tester nos stratégies. Allez, hop, on dézoome et on va partir sur un autre KVK. On va aller voir si le KVK 1 a tenu ses promesses. Et qu'en est-il du 1331? Ils se font bien pourrir, le 1341 pardon, le 1341 se fait bien trash talk par le 1331 actuellement. Ils sont bien charriés là pour le coup. On va voir au niveau des Terres du Roi, évidemment, vu que ça avait percé au sud avec les BQQ, j'ai du mal, hein, BQQM, hein, je préfère dire BBQM, c'est plus stylé. Donc là, en tout cas, ça a craqué, donc ça se replie, pas de surprise, ils doivent se préparer à l'ouverture. Effectivement, comme je vous le disais, ils se préparent à l'ouverture des portes, on aura du 1-1, 13-31, 13-41, donc ça, c'est pas mal. Bon, de ce côté-là, c'était le seul point qui restait vraiment en combat et où ça tenait, donc pas d'autres surprises, rien d'autre à voir. Donc, l'alliance victorieuse, il n'y a pas de mystère là-dessus. 10-93, 13-31, les ONC, les VNM sont vraiment ceux qui ont gagné ce KVK-là. On fait un tour sur le KVK-2, voir si ça a bien tenu. Hein, parce qu'il y avait vraiment des gros combats aussi ou des accords tenus ou accords. Alors, on m'a dit dans certains commentaires que j'avais dit qu'il y avait peut-être des accords. On m'a confirmé qu'il n'y en avait pas eu et d'autres, on m'a confirmé qu'il y en avait eu de certains côtés. Donc là, pareil, hein, c'est accord ou pas, ça a craqué. Personne n'a réussi à tenir son terrain. Je me demande, hein, on va voir quand on va arriver au KVK, notamment sur la fin, le 9 je crois, s'ils ont réussi à tenir le 10-75 ou s'ils ont passé un accord. Le 10, moi je vous le rappelle, hein, toujours pas d'accord, donc on fait pas d'accord, on se bat jusqu'à la mort. Ici, ça a tenu d'un côté, le bleu ciel a tenu, regardez. Le bleu ciel, les DS a tenu son terrain. Il n'y a pas eu de destruction. Ouais, mais il y a eu un accord. Regarde, on voit la forteresse. Donc, c'est pour ça. Donc, faut pas s'enflammer. Ils n'ont pas tenu leur terrain. Il n'y a pas de mystère là, malheureusement. Regardez, on le voit à ça ici. Qu'il y a eu un accord, hein, puisqu'il y a une forteresse qui a été posée. On l'avait déjà vu hier. Donc, ils n'ont pas détruit le terrain. Ils n'ont pas perdu de temps avec ça. On va aller voir le KVK numéro 5. À présent, on saute le 4. Hein, le 4. C'est le mien avec les 1166, les 1166 qu'on fait une très grosse démonstration. Serveur qui souvent sort de l'Imperium parce qu'ils sont borderline comme nous, mais un peu plus haut que nous en puissance d'ailleurs.
puisqu'ils galèrent plus pour sortir de l'Imperium, ils doivent blinder leur hôpitaux en plus. Donc d'ailleurs, on va vérifier, est-ce que le 166 est toujours Imperium? C'est un excellent serveur, le 166, il l'est toujours. S'il arrive à sortir de l'Imperium et que vous cherchez un très bon serveur, il y a celui-là. Donc voilà, ils ont déroulé, il n'y a pas l'air d'avoir eu d'accord ici. Ça a bien déroulé, KVK numéro 6. Donc pour le moment, aucune surprise. Aucun royaume qui n'avait pas les terres du roi a réussi à tenir son terrain. Pour le moment, ils ont tous soit passé des accords, soit craqué au niveau de leur terrain. Pareil sur le KVK numéro 6, hein, c'est sorti et ça a tout détruit. Donc zéro surprise hein, chez les UCS ou chez le 139. Pas de surprise, hein, ça a bien craqué hein, quand même, hein, même le 73 là. Donc KVK numéro 7, surprise sur le KVK numéro 7, j'attends le 9, hein, on va bien voir, parce qu'il tenait bien quand même le 9, et encore une fois, je n'ai pas entendu parler d'accord. Pareil KVK numéro 7 avec le 1194, qui s'est bien relevé le 1194, avec les CL qui ont assuré et qui sont passés, c'est passé là, tout n'est pas passé, mais ils n'ont pas eu besoin de passer partout, parce que regardez ici, le jaune n'a pas réussi à passer de ce côté-là. Et sur le côté, en revanche, ouais, c'est passé au sud. Il y a dû avoir des accords là sur ce côté-là. Donc 1194, un très bon serveur aussi. Et pour le coup, je ne crois pas qu'il soit devenu Imperium. Je fais la pub de ce royaume que j'ai quitté il y a longtemps, mais je crois pas qu'il... Non, il n'est pas Imperium. C'est un très bon royaume, le 1194. De toute façon, dans la série 1190, il n'y a pas d'Imperium. Le 1196 l'a été pendant un temps, mais il ne l'est plus. Donc sûrement à cause de la guerre. KVK numéro 8 avec des gros royaumes comme le 1244, un bon royaume, le 1244 aussi. Là, c'est vraiment la saison des migrations, beaucoup m'en parlent et ça va vraiment être le mercato. Les JWM, il n'y a pas de mystère, hein, ils ont roulé sur leur KVK. Pour une fois, les JWM ont vraiment bien assuré. Et d'ailleurs, je vous en parle, n'hésitez pas à aller voir une petite vidéo sur Facebook qui est assez intéressante, elle est courte, elle fait 30 secondes et on voit, alors malheureusement, hein, c'est vraiment pas à son honneur du tout, chez les Bleus, chez les GS, DSS, ils ont Marverick L, qui est l'une des deux plus grosses baleines du jeu, puisque, alors est-ce que on va le voir, est-ce qu'il est chez eux, ou est-ce qu'il est dans une sub, est-ce qu'on va le voir ici, notre ami Marverick, on va le voir tout de suite, hein, parce qu'un joueur qui a un milliard de puissance, on voit tout de suite au nombre. Est-ce qu'il est ici ou est-ce qu'il est dans l'autre? Alors, de toute façon, je regarde le général. Il n'y a que 6 milliards là, donc il n'est pas chez les GSS. Est-ce qu'il est GSL? Il y a tellement de subs. Hein. Moi, je m'y perds. 2 milliards, bien sûr que non. Il n'est pas là. Est-ce qu'il est chez les GSN? Les GSN, c'est, vu que c'est une petite alliance. L'alliance, elle est moins puissante que juste le compte de Marverick. Donc, je ne vais pas le trouver. Je ne vais pas trouver où il est. Il est peut-être là. Non, je ne trouverai pas Marverick. Je ne sais pas dans quelle alliance il s'est mis. Il était peut-être chez les S. Hein. Du coup, on va vérifier. Je vais vérifier rapidement. Un mec à 1 milliard, ça se voit tellement il y a de nombre par rapport aux autres. Non, il n'est pas là, hein, Marverick. Bref, en tout cas, cette petite vidéo qui monte Marverick juste à côté d'un de ses alliés pendant que son allié se fait zéro. Donc, son allié est en train de se faire zéro et lui, avec ses 4 troupes, il se bat à côté, il fait des barbares. C'est quand même pas très, très sport tout ça. Et à la place d'un de ses alliés, j'aurais quand même un peu la rage de voir un mec à 1 milliard de puissance faire des barbares à côté de ma ville pendant que je me fais rallye par un Attila et que je me fais zéro. Ça lui aurait rien coûté de swarm le rallye à Marverick et de défoncer le rallye, surtout quand on a 1 milliard de puissance et une CB illimitée. Et vous voyez, on parle souvent de Baba. Ça, c'est des comportements que Baba n'aura jamais et il ne les a jamais eus. Ça a toujours été le premier à défendre ses guildmates, même à claquer des milliers d'euros pour les défendre s'il le faut, si ce n'est des dizaines de milliers. Donc vraiment, là, Marverick, tu déconnes grave, même si tu verras jamais cette vidéo. Je te le dis, tu déconnes grave et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc on continue, hein. On était sur le KVK 8, on arrive au KVK numéro 9 et on va voir si le 87, 85, 96, 98 ont réussi à tenir ou s'il y a eu un accord, on va le voir. Eh bien, écoutez, il y a eu un accord. Dommage, ça tenait bien. Il y a eu un accord puisque, regardez, échange de bâtiments, puisqu'il y a une forteresse qui a été posée là. Donc, du coup, ils n'ont pas dû réussir à rentrer et il y a dû avoir un accord. Est-ce que je vérifie, hein, que je vous dise pas de bêtises, parce que je vois pas de... Il y a l'accord sur quel échange alors? Parce que, regardez,
Il n'y a pas de bâtiments qui ont été pris de l'autre côté. Et c'est étonnant de voir juste cette forteresse, ce petit bâtiment là qui est pris de manière isolée. C'est vraiment étonnant de voir juste les Vénilas qui l'ont pris alors que de l'autre côté, je ne vois pas de bâtiment en feu chez le Bossiel. Si vous êtes sur un de ces serveurs, le 96, le 98 ou le 87, n'hésitez pas à venir. Je suis intéressé là de savoir parce que du coup, le bâtiment est certes en feu, mais il y a toujours les défenses et ils n'ont pas pénétré le terrain ou pénétré que par des petites zones, excepté là où ça a un peu craqué. Donc je suis intéressé de savoir les tractations qu'il y a eu là-dessus, s'il y a eu un accord ou pas, ou si ça a bien tenu. Mais en tout cas, c'est l'un des serveurs où on voit, d'un royaume, où on voit que ça a bien défendu et que c'est bien resté uni. Et on finit donc par le KVK numéro 10. Et là, normalement, j'en ai oublié aucun cette fois. Dans les jours qui viennent, on va aller voir les nouveaux KVK qui viennent d'ouvrir. Je crois que c'est dans la série des 60. Vous êtes beaucoup dans les abonnés à être sur ces KVK-là. Donc, bien évidemment, on va aller voir. N'hésitez pas à m'envoyer des infos avant que j'aille les voir. Ça me permet de bien cerner. J'aime bien quand vous m'envoyez les maps, la carte, hein, avec la répartition des teams, les 4 qui sont ensemble ou les 5 contre 3, etc. J'aime bien cette petite carte. Je vous la mets en haut à droite quand vous me l'envoyez. Et c'est toujours agréable pour tout le monde d'avoir ce petit point de référencement. Donc, regardons le dernier KVK 10, pareil, hein, personne n'a tué. Donc, dans les 10 premiers KVK, aucun royaume n'a réussi soit à ne pas faire d'accord, soit à tenir ses portes pour empêcher que l'alliance des royaumes qui avait conquis les terres du roi arrive à prendre leurs portes et avance. On va voir maintenant comment va se dérouler le combat des portes de niveau 9. On va aller voir à présent, les amis, ce event, ce quiz organisé par Lilith. Et vous allez voir, c'est quand même assez surprenant. Comme d'hab, je vous fais mon jeu préféré, hein, le Picture in Picture. Et regardez, c'est dans la partie annoncement du Discord officiel. On a eu un message hier à 17h50 heure française, hein, donc pratiquement 16h UTC, qui nous informe qu'aujourd'hui, donc le 4 septembre, à partir de 6h30 UTC, donc 8h30 du matin, heure française, il va y avoir sur Discord un 24h anniversaire, un quiz event avec un total de 96 questions. Donc on est sur une base de 4 questions par heure pendant 24 heures. Donc ils disent de venir, ça va être un quiz interactif, c'est de la balle. Alors déjà un quiz interactif où on doit taper dans un chat, j'ai l'impression d'être sur Mirk, sur IRC, dans les années 90. Donc il ne faut pas qu'ils s'enflamment non plus, hein, s'ils avaient pu faire quelque chose d'un peu plus tendance, ça aurait été mieux. Pour chaque question, le premier player, et regardez, là ça va vraiment être n'importe quoi. Donc ça part d'une bonne idée, mais c'est mal exécuté, hein, comme très souvent malheureusement chez Lilith. Pour chaque question, le premier joueur qui va mettre son idée gouverneur avec la réponse correcte va recevoir, là en revanche, pour les récompenses, ils sont généreux. 3000 gemmes, 75 heures de speed-up, 50 000 d'expérience, soit 25 livres. Et on peut ne gagner qu'une fois. Donc, si on est prêt à tester nos connaissances sur Rise of Kingdom, on peut aller participer à ce quiz. Donc franchement, vous voyez, toutes les 15 minutes, c'est écrit en plus sur la petite gifle, toutes les 15 minutes. Donc c'est une excellente idée. Les récompenses, c'est de la balle. Hein. 3000 gemmes, les amis. 3000 gemmes, c'est quand même énorme. Hein. 3000 gemmes, ça représente deux packs quand on les achète, un tout petit peu moins de deux packs. Ça fait quand même un petit 15 euros. Donc on ne crache pas sur 15 balles, hein, on les prend. Mais il faut réussir à être le premier à répondre, sachant que ça va être blindé. Regardez le nombre de réactions en émoticône en dessous de ce post. Ça se passe dans la partie Discord Event du Discord officiel de Rise of Kingdom. Donc allez-y, allez participer, essayez de gagner. Ça va être très très tendu, surtout si vous n'êtes pas anglophone, hein, parce qu'évidemment, les questions vont être en anglais. Mais si vous pouvez et si vous êtes anglophone, allez faire ce quiz. Et si vous arrivez à gagner au moins une question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein. Je serai content pour vous. On se rappelle deux fois déjà le Discord Event où il y avait 2000 gemmes à gagner. C'est des abonnés qui ont gagné suite à la pub que je vous en ai faite. Donc n'hésitez pas à y aller, à participer à ce quiz. Il aura commencé, hein, quand vous verrez cette vidéo, il aura commencé depuis 10 heures, mais il restera encore 14 heures à voir, donc n'hésitez pas à aller le faire immédiatement après avoir vu cette vidéo, les amis. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Hein. On se retrouvera prochainement avec les ouvertures des portes niveau 9
et les nouveaux KVK, hein, puisqu'on va changer de KVK maintenant. On arrive à la fin de ce dernier de KVK Light and Darkness saison 5 pour nous. Donc on ira s'intéresser aux autres royaumes qui rentrent en KVK et il y en a plein. Il va avoir des grosses, grosses phases de migration sur plein de royaumes. Nous, on est solide, donc normalement, on a déjà beaucoup de demandes, malgré notre défaite dans ce KVK, pour rejoindre le 1256, mais la sélection est très difficile, puisque sur mon royaume, maintenant, il n'y a que des recrutements de joueurs qui sont vraiment prêts à prendre masse mort, hein. C'est ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui intéresse tous les royaumes, hein, de toute façon, qui veulent gagner des KVK. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Je vous en remercie vraiment énormément. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Passez un excellent week-end, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.